et rester 6 jours encore pour et moi ça fait. Mais actualité elle-même n'est pas finie, n'est pas encore en place. Actualité très dynamique en Haïti et à travers le monde. C'est ça qui fait que VOA Creole a pris plaisir entrer la caillou et pour nous capables de bon, quelques grands points qui ont dominé, actualité n'a pas tout point, mais quelques là-dedans. D'abord, dans le pays d'Haïti, la crise politique est toujours là, et toujours gain violence, gang armé toujours à faire et la pluie et le beau temps, et capitale la samedi, c'était tête chargée dans Aswet. Donc, en pile et violence dans le pays d'Haïti, pendant que tout gagne crise humanitaire dans le pays d'Haïti, avec monde qui a des problèmes de manger, monde qui va gagner de l'eau pour boire, monde qui va gagner côté priorité, monde qui est obligé de quitter la caillou. Donc, c'est décor ça qui toujours, même dans le pays d'Haïti, bien que chaque jour, décor plus foncé et n'apporte plus fond la crise là, sans que pour qu'on gagne vraiment une solution au niveau politique. Donc, ça qui fait actualité pendant le week-end, c'est démission. Nous dit démission, mais on dit que désister ou bien décliner. Et Dominique Dupuy, nous connaissons qui c'est ambassadeur pays d'Haïti auprès de l'UNESCO. Et bien c'est une alliance qui était choisie en parlant de aider, en parlant de raid, et puis l'autre partie encore. Qui t'a choisi lui, mais lui-même il désistait et il font vidéo sortie pour dire que lui-même, il y a une accusation que vous faites sur lui faussement, il y a une menace que vous faites sur la ville. Donc, Madame Dominique Dupuy, lui-même, lui, là, l'école, la question de conseil présidentiel de transition, qui pour même officiel, bien que nous avons parlé d'un peu de réunion et qui fait, mais pour qu'on gagne une note officielle. Selon le protocole là-même, c'est à que toutes nos lois de CARICOM soumettent nos Premier ministre Ariel Henry qui en dehors pays. Et puis après ça, pour être capable de continuer avec le processus-là. Il y a des gens qui posent des questions, il y a des gens qui disent si c'est le Premier ministre Ariel Henry qui doit faire arrêter pour rendre officiel non, monde qui a fait partie du conseil présidentiel de transition pour qu'il s'assied. Et c'est Premier ministre AIA qui a signé, par exemple, couvre-feu. En parlant de couvre-feu, il y a un couvre-feu à lui-même lui prolonger. Il était prêt pour jusqu'à samedi, mais qu'on y a prolongé jusqu'à demain, 26 mars, là, avec toute sa gain comme règlement, application, et même monde si ou violer couvre-feu, il y a la police qui est là pour y arrêter, pour y être capable de respecter couvre-feu, qui est inscrit tout dans le cadre d'état d'urgence que le pays a trouvé journée aujourd'hui. Donc, il y a une réaction. Donc, une réaction qui continue et sous Madame Dominique Dupuy, qui lui-même à l'école, n'a choix que été fait pour lui faire partie de conseil et présidentiel de transition. En pile réaction, tout en pile analyse qu'a fait sous séparation, qui ta séparation qui gagne entre Moïse Jean-Charles, qui c'est leader Petite Dessalines, ancien sénateur, avec ancien sénateur élu Grandance. Guy Philippe, il y a quelqu'un qui dit ancien sénateur élu Guy Philippe, ancien rebelle Guy Philippe, eh bien, M. Sao t'assemblé, il y a l'école. Il y a l'école depuis l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui est leader de Petite Dessalines, voyait un nom dans le conseil présidentiel de transition, qui c'est M. Emmanuel Villers, alors que dans quelques jours avant, il était dit que il rejetait toute démarche que CARICOM a fait. Et m'a répété pour Moli, il a gueule dans la poubelle. Donc il dit pas d'accord. Et il dit qu'il a fait même faire une mobilisation pour contre le conseil présidentiel de transition. Donc ça fait un pile tollé, un pile réaction qui sortit, un pile analyse qu'a fait pour expliquer pour qui ça que. Et ancien sénateur Moïse Jean-Charles prend décision ça. Chaque monde a baillé position. Par exemple, il y a un monde qui comprend ni, qui même favorable même. Il y a des gens qui ont même rejeté la décision, ils ont même traité ancien sénateur de traite par rapport à Guy Philippe. Pendant ce temps, eh ben, phénomène Guy Philippe a toujours dans l'actualité. Pendant ce temps, tout, il y a des gangs qui continuent à faire la terre. Et malgré que la police nationale qui fait plus d'intervention, côté que, eh ben, il fait des dégâts mortels dans le temps gangs, mais gangs toujours là, ils ont toujours à faire la pluie et le beau temps, surtout dans la zone. Et capitale là, Port-au-Prince. Donc, situation politique pays,
mais il va faire un paquet à Panago et gain réunion qu'a fait mais semblait pour gain vraiment yon bagay sérieux qui sorti là-dedans parce que les gain yo fait la presse connaît. Et puis l'autre point que nous capable s'y aller concernant le pays d'Haïti, c'est Dominicain qui prend la rue pour protester contre l'idée pour ta gain un camp réfugié pour haïtien tabli la caillou. Jean-Robert Philippe, qui s'est envoyé spécial service là en République Dominicaine, les mêmes te vives et manifestations ça que Dominicain prend pour dire que c'est là c'est ta pas gain bagaille comme ça qu'a fait sur territoire pour ta gain un camp réfugié dans en République Dominicaine pour monde qui en grande difficulté, moun kap kou kite la kayo pou Otavine en République Dominicaine. Donc, en gros, cette situation ça, nous invitons au brancher talent la nouvelle gen et ça qui passe Haïti. Donc, pour capable gen dernière information. Et dans l'international là, c'est bien ça qui fait depuis vendredi dans Moscou, attaque qui fait dans Moscou sur un centre à la fois commercial et culturel. Qui fait côté que gon paquet moun ki pèt la rue. Son attaque qui fait côté que nèg armé avec zam automatique entré dans yon concert qui t'a fait dans un centre culturel et commercial tout près ville Moscou et puis nèg yo la ouvèk ou zam en pile moun mouri. Nous changer le nous fait jwenn nouvelle là nous même dans vendredi on t'a passé à l'antenne et ben on t'a parlé de 40 moun qui t'a blessé et t'a mouri et en plus son centaine t'a blessé. Mais qu'on y a yo parlé de 137 moun qui t'a mou. Et autorité dans le pays, là aussi, déjà arrêté 4 moun. Et 4 moun, ça a déjà passé dans le tribunal dans le district de Basmani, qui est dans Moscou. Et yo kembe yo, d'après les nouvelles qui sont sorties dans le pays, là aussi, yo kembe 4 moun, ça a détenu, et bien jusqu'au 22 mai, pour yo capable de faire un procès pour garder qui niveau de culpabilité. Yo Biden, donc qui. Et non, ça est difficile pour prononcer, mais nous sommes obligés de prononcer de la dehors parce que de la dehors déjà, ils sont même d'accord que ils sont coupables dans la situation. C'est Mir Zoveil avec Racha Bali Zoda. Ils sont même d'accord que ils sont coupables pour ça qui passe. Les médias russes ont identifié 4 suspects comme étant des mondes, des citoyens qui étaient fait partie de l'ancienne République soviétique, pays ancienne République soviétique, à part de Tadjikistan. Ils ont même vivre dans le pays. La Russie. L'autre point dans l'actualité là, concernant ici les États-Unis, eh bien, il y a un ancien président et républicain Donald Trump qui toujours n'a pas quelques problèmes avec la justice. Eh bien, je dis à le déparer dans une salle d'audience dans New York, donc dans un tribunal, côté que ça t'a cherché, l'a cherché, ouais, si t'as retardé procès pénal, peut-être qu'il était baillon, on venait. Pornographie en parlant de Stormy Daniels, ils ont l'argent pour ne pas dire que tu es dans une relation et Tibou avec lui, et relation. Quand on a dit qui, j'ai dit beau créole là, et bien, ils ont une relation fille à garçon, et bien, parce que ils ont comme en 2007, l'époque élection présidentielle. Donc, on est ici aux États-Unis, moralité très présente dans la question élection présidentielle. Donc, l'idée by Damnan, Stormy Daniels, yon l'argent pour être capable de faire même boucher pour ne pas dire que t'es dans une relation avec elle. Et c'est un bagage qui compte la loi, l'ont acheté silence. Yon moun ici aux États-Unis, donc nous sommes retardés pour ce ça, parce que pour ce ça, et by problème. Toujours concernant l'ancien président républicain Donald Trump, eh bien, bon coup d'appel. Qui d'accord pour le renvoyer pour qu'on y a collection 450 millions de dollars ancien président Donald Trump t'es doué après lui t'es perdu au procès civil pour fraude, ça sont l'autre cause encore pour fraude parce que il t'a augmenté valeur et les assets pas assets non mais à bien que le gars en façon pour être capable de jouer prêt donc qu'on y a dit que la paye 175 millions de dollars dans 10 jours. Donc, si dans 10 jours que le paye 175 millions de dollars, il n'est pas obligé et bal pression pour le payer 450 millions de dollars. Donc, si Trump fait ça, il va le renvoyer pour ses sous-collections l'argent l'idouya et empêcher l'État de saisir bien parce qu'il a dit que si il va pas comme là, il va saisir bien dès que il y a une juridique dans la question ça.
et mettre un appel pour contester un appel pour contester décision développement vini en titan seulement jodi le dia avant que ministre justice New York là Laetitia James lui-même était supposé tomber processus pour collecter l'argent jugement leur fond jugement bon l'argent pour payer mais on a leur pour collecter l'argent était même en question pour te mettre en chaque jour qui passait avocat on peut plaider pour yon coup d'appel suspend collection parce que il dit il est pratiquement impossible pour joindre un monde pour signer un bon pour une grosse somme l'argent comme ça 450 millions de dollars c'est un gros cause. L'autre point d'actualité là au point dans niveau international c'est le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a annulé une visite que une délégation et dans le pays Israël t'a fait et jeudi lundi à Washington pour protester contre décision du Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander un cessez-le-feu tout de suite dans la région Gaza. Donc nous Benjamin Netanyahu dit que lui-même faut yo font descendre quand même un razzia dans Rafah, il dit qu'il pas capable remporter la victoire sous monsieur Amasio sans que le pas fait un razzia dans Rafah. Donc c'est ça qu'a discuté là. Il y a cherché un cessez-le-feu. Il était parlé de trêve, mais qu'on y a parlé de cessez-le-feu. Son jargon que monsieur diplomate connaît bien. Donc, qu'on y a parlé de cessez-le-feu. Il y a un chef diplomatie américain. On a parlé de Anthony Blinken, donc secrétaire d'État américain. Lui-même qui était fait, qui se font voyage là, dans la région Moyen-Orient. Il était gagné deux objectifs. Premier objectif, là, c'est joindre un cessez-le-feu. Et deuxième, là, c'est joindre libération otage. Qui n'en met militants Amasio dans Palestine. Donc, il y a un paquet de situations qui sont compliquées à travers le monde. Et il y a l'autre tout, par exemple, il y a un vice-président Kamala Harris qui accueille un leader guatémaltèque, président Guatemala. Donc, dans pile. Le monde a dit que c'est des accords que le pays a tombé dans la situation qui est là. Parce que pour Ariel Henry commettre ensemble des dégâts qu'il commet dans le pays, c'est un accord 21 décembre qui permet de sortir dans l'accord 11 septembre, arriver dans l'accord 21 décembre, qui rend que la situation est plus grave là. En plus, on a posé cette question. Est-ce que l'accord Montana n'a pas pu voilà. Comment madame, dernière chose. Est-ce que l'accord Montana n'a pas fait les pires? Écoutez, moi ce deal et c'est à l'heure, c'est pas. Écoutez, nous avons respect pour tout acteur, nous avons respect pour tout l'autre groupe. Mais Montana pas quoi que les sciences infuses. Montana t'es toujours quoi, dans dynamique, mettez tout acteur au chita. Cherchons un consensus plus large pour permettre que nous retirer, nous t'es empêché tout d'abord, pays arriver dans le chaos quotidien là. Malheureusement, il y a des acteurs le 21 décembre. Et 2022, qui t'a pas tenté jouer si jouette et ensemble avec Ariel et non comprendre Ariel qui promet tu y a ministre, y a directeur général. Écoutez, le HCT monté, moins témoin, y a pile monde qui t'a relé Fridjan pour demander Fridjan participer dans HCT. Fridjan dit non, c'est nos désordres nous allons rentrer là, ça pas qu'à mal résultat. Et nous croyons moun en dans la République là, à l'échelle nationale et internationale, qui au courant, si Fridjan te voulait rentrer dans HCT, Fridjan se pas rentrer dans HCT, désordre, ou est-ce pas couché un hit sérieux, qui renforçait Ariel comme un bassin de conseillers dans le désordre, qui menait nous dans ce bourbier infernal. Fridjan, si à Komundana, t'as cherché si couloir. Mais même si on a laissé qui t'a tenté d'être privilège dans Ariel 21 décembre 2022 dans l'accord 21 décembre. Eh bien, je dis en fait, j'en t'a cautionné, mais ça tout. C'est ça, il y a là, c'est pas question de défendre le monde, pas non. C'est pour nous garder le monde qui est lucide. Parce que je dis, Haïti a besoin de monde qui est lucide, qui est sérieux, qui peut garder Haïti, qui le même petit espace. Pas dans privé, qui le petit couloir pas dans la boue. Ok. Il va entrer Joseph, en tout garder ça parce que je vais te dire mon sens au désir. Et il y a plein de monde qui a dit, alors pas plein de monde, mais ou même tout comme acteur politique souterrain, ou tendez de l'autre acteur politique pareil, ou qui a parlé peut-être qui a dit ou même, et pareil, je ne sais pas, 9 membres ça, et qui a peut-être qui a proposition, mais il y a un acteur qui dit que,
Et qui ça au cas attendre? Bon, bah, ou cas répondre question ça. De qui ça au cas attendre? De qui ça au cas espérer de conseil présidentiel transition 9 membres ça et qui vient représentant à quoi montant dans la donne qui c'est Fritz Alphonse Jean? Et qui ça au cas attendre de lui? Qui ça au cas espérer de lui? Et je sens tout et c'est un CP imposé par la CARICOM et la communauté internationale, selon ça y a dit. Et yo même trouvé que, ça c'est la troisième partie question, hein, yo même trouvé que, CP ça, conseil et présidentiel ça, li pas reflété réalité, mais revendication masse populaire là, mais la grande majorité haïtienne non. Et, bon, moi, bon, rapidement sur question ça, parce que, ouais, faut non réaliste, pour y vendre, Joseph, responsable syndical, politique, qui dans l'organisation, paquet et structure. Si m'a gagné pour dire, m'a pas dans la dynamique conseil présidentiel de 7 mounes pour m'a gagné. Tenez bien. C'est encore la logique pour nous chercher, à ma connaissance, nous fait presque expérience de 6 à 7 types de réalité comme ça, entre collège, entre question et conseil. OK? Dernière date, nous c'était avec CNG, côté que qui était gagné 4 militaires et 3 trois membres de société civile, dont Gérard Goug était là-dedans. Non, et pour militaires, nous avons gagné William Sregala, Nafi, Prosper Avril, si je ne m'abuse pas. OK? Maintenant, je dis, si formule, c'est 7 moun ka, aidez-nous commencer, je nous, on aller mieux. Eh bien, que nous avancer, et c'est peut-être ça nous-mêmes, au niveau de Montana, nous encourager et nous dire, parce que nous comme personnage, pas nous, nous encourager que c'est une monde par rapport avec esprit de collaboration, li, par rapport avec sagesse impartiale, par rapport avec compétence, li, vision, il est capable d'aider dans la tête de CPA, conseil présidentiel. Là. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous encourager pour venir comme président, conseil présidentiel. Là. C'est ça que fait, nous encourager personnellement. Pour aller exemple après Duvalier, tu as une expérience et conseil présidentiel qui t'est fait. Mais est-ce que ou pas informé tout des conséquences néfastes que le conseil a gagné sur le pays? Moi, je suis désolé, si c'est pour question collège, question c'est conseil présidentiel, moi-même, si je suis encouragé, et pas je suis encouragé en premier. Mais si. Qui sont encouragé en premier, qui sont d'appuyer? Si vous avez encouragé, qui sont encouragé en premier? On t'a parlé, exactement dans esprit constitution 1987 là qui parlait d'une question bicéphalité, d'une question de un président et un premier ministre tout simplement. Et c'est là dans tout on t'a parlé de cassation là. Non, pas dans cours de cassation. C'est pas gagné dit, c'est dans cours de cassation pour mal. Pas gagné dit dans ça esprit constitution dit c'est dans cassation pour mal. Pas gagné dit ça. Parce que on va plus loin ensemble avec vous. C'est dans même dynamique ça Montana dans document parlant, document Montana, c'était esprit constitution 1987. Mon amendé hein, c'est là nous-mêmes, c'est à travers document ça esprit constitution notre travail. Et c'est ça que fait l'arrivée dans dynamique côté on va parler de question conseil, question collège. Ça t'est venu nous dans un premier temps. Mais comme nous sommes des démocrates. Avant avancer. Permettez-moi. Pour ça, le coup de cassation. Le gros problème. Venez. Va me répondre sur ça. Va me répondre sur la question posée en mettant. C'est ça que fait nous-mêmes. La question conseil, collège, nous a présenté. Nous ne venons pas de problème. Nous sommes des démocrates. Nous, c'est des personnalités qui voulaient payer nos marchés, qui voulaient une population suspendre souffrir, qui voulaient finir la question de sécurité, qui a brassé nous là. Je veux dire, mettons chaos dans le pays. Eh bien, peut-être ça, nous réunis entre nous, eh bien, nous jouons notre terrain d'entente pour permettre que nous marchions selon le principe qui est capable de permettre que nous tous mettons plus l'autre acteur ensemble pour nous avancer. Maintenant, on va retourner, on parle de questions, est-ce que nous avons un problème avec le cours de cassation? Mon ami, ça fait deuxième fois que m'a parlé sur question ça, me changer probablement une avant-dernière émission que je fais, nous avons prononcé sur question cassation. Monsieur, cassation n'a pas le là, je dis. Sans cassation, côté qui t'a fonctionnel véritablement.
son cassation qui dysfonctionnelle bien avant Jovenel Moïse mouri. Nous d'accord avec je dis là, même cassation ça, pendant toutes les autres sont faites dans le pays, chaque fois population, en pile institution dans le pays, ont demandé pour que la justice prenne responsabilité, le système judiciaire, là, car il n'est pas fonctionnel, il est dysfonctionnel. Il n'y a pas de jambes au rendez-vous. D'ailleurs, on parle des juges à la Cour de cassation. Monsieur, c'est la plus haute Cour de justice du pays. Qui est en dans le pays? Ce n'est pas seulement chitage, oui, de petits privilèges, non, mes présidents, non, mes sénateurs, non, mes ministres, non, non, mes premiers ministres. Wall Mounsao, ils sont le troisième pouvoir, ils sont pour veiller à bonne marche payant tout. Le jour d'hier, Mounsao, contenté, jouit des privilèges pendant toute période, pays a crasé, la justice a crasé, mauvaise décision, vieille décision, a sorti en dans système. Non, je n'ai jamais dit rien. Jusqu'à ce que mandat majorité t'a fini. Le mandat majorité t'a fini. C'est deux graines qui viennent de deux graines dans le contenté. Ils ont mouru pour eux, ils ont juste privilège. Je n'ai jamais prononcé sur la situation pays. Monsieur, un citoyen qui vit dans la dimension ça. Ou t'as un mot pour dire, moi-même, c'est un système d'amdé. Nous pas d'accord ça? Yo, d'accord. Le après-voqué, mon système, non. Attendez, Blaise Peterson. Le après-voqué, mon système, non. C'est pas que m'te dit, négo. Des gens qui ont supporté avec pouvoir PHTK régime, non. Libéral cause d'ap tombé non kachou pour m'be terrible et n'a perdu le système judiciaire, là. Négo, d'accord, yo révoqué. Arbitrairement, dans le système, non. Quand je vis ça, oui. M'te réuni à pifo là-dedans. On va aller plus loin. Le mandat PIFO là de fini. Il y a deux graines qui étaient. Une là dans le mandat a fini en 2025. L'autre mandat a fini en 2029. Pas qu'il y a dit rien, non, deux graines qui étaient. Seulement là, parce que nous avons privilège dans le mandat. Nous supposons comme journaliste, enquêteur, nous avons supposé enquêter pour nous connaître privilège dans le mandat. Pendant ce temps, qui ça a été utile? Pas une merde. Voilà, Ariel va venir illégal, illégitime. Les gens jouent moi, même Ariel ça, pour le nommer, parce que oui, des juges soi-disant d'expérience, pour le d'accord Ariel sans mandat, sans légitimité, qui c'est la prérogative présidentielle, monsieur jeune moi, il va renouveler le mandat juge, nous n'avons plus dans le système. Non. Comme si, monsieur, pour raccourcir nos réponses, raccourcir nos réponses pour nous épuiser. Et ensemble de points que nous regardons à coup dans l'émission. Nous vraiment souhaiter qu'on fasse ça. Mais est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on ouais, j'aime détailler question cassation ou même là où? Ouais, j'aime détailler là. Très bien. Très bien. Très bien. On regarde Kounia, ou présente Fritz Alphonse Jean comme une entité sans doute qui représente dans le conseil présidentiel que CARICOM sans doute la bas comme en pile monde ouais. C'est Conseil présidentiel, communauté internationale. Là. Bon, on regarde sous passé Fritz Alphonse Jean comme une personnalité qui fait plus passer 20 années dans l'administration publique là, et qui va écouter tout dans l'éducation. Parce que, on voit qu'on connaît le passé et dans sa qui vient pour avec l'université, dans le pays, dans l'organisation des bases, il pratiquement franchi un ensemble d'États. Que tout le monde est d'accord, quelles sont personnalités importantes. Est-ce que je dis, nous avons dit, on monte à Koufritz Alphonse Jean, l'innocent, dans ce pays a tombé, je dis, après le film passé, plus passé, 20 années, non.